Bonjour, Amanda. Connor, je t'attendais. Que dirais-tu de marcher un peu ? Ce déviant semblait être un cas fascinant. Quel dommage que tu n'aies pas réussi à le capturer. Les déviants étant complètement irrationnels, il est difficile d'anticiper leur comportement. Même, j'aurais dû être plus efficace. As-tu appris quelque chose ? J'ai trouvé son journal, mais il était chiffré. Le décoder peut prendre des semaines. Quoi d'autre ? Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthes et autres symboles. Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle R9. Tu étais à deux doigts de capturer ce déviant. Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle ? Ça s'améliore. J'ai fini par mieux le comprendre et il commence à s'habituer à ma présence. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre, ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas. Nous avons reçu un nouveau cas. Trouve Anderson et mène l'enquête. Lieutenant Anderson! Il y a quelqu'un? Lieutenant Anderson! Du calme, Sumo. Je suis ton ami. Tu vois? Je connais ton nom. Je viens sauver ton maître.
Lieutenant. Debout, lieutenant. C'est moi, Connor. Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Hey, ça risque d'être un peu désagréable. En dans une de mes deux. Dégage d'ici, putain. Je regrette, lieutenant, mais j'ai besoin de vous. Merci d'avance pour votre coopération. Oh, putain, mais dégage de chez moi. C'est bon. Attaque. Bon chien. Attaque. Merde, j'ai envie de gerber. Ah, laisse-moi tranquille, sale con. J'ai pas l'intention de bouger. Mais qu'est-ce que tu fous, là? J'ai pas envie de prendre un bain, merci. Désolé, lieutenant. C'est pour votre bien. Arrête ça tout de suite! Arrête ça! Qu'est-ce que tu fous ici, putain? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous. Je dois être le seul flic de la Terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde. Tu peux pas me laisser tranquille. Je ne peux pas, malheureusement. On m'a programmé pour mener cette enquête et je ne peux pas la résoudre sans vous. J'en ai rien à battre de ton enquête de merde. Lieutenant, vous êtes souffrant. Vous devriez... Barre-toi, fous le camp chez moi. Allez, casse-toi. Je comprends. Ça ne devait pas être palpitant, de toute façon. Un homme retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre-ville. Je suppose qu'ils résoudront l'affaire sans nous. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Mes vêtements sont dans le placard de la chambre. Je vais les chercher. Que voulez-vous porter ? Rien à foutre. Est-ce que ça va, lieutenant ? Ouais. Tout baigne. J'arrive dans 5 minutes, ok ? Bien sûr. Monte entre les deux pays. De nombreux experts s'accordent à dire que la menace d'une troisième guerre mondiale se précise de jour en jour. Thank you.
Qu'est-ce que vous faisiez avec votre arme? De la roulette russe. Je voulais voir combien de temps je tiendrais. J'ai dû m'écrouler avant d'avoir la réponse. Vous avez eu de la chance. Le tir suivant vous aurait tué. Allez, sois sage, Simon. Je serai pas long. C'est de la folie. S'ils nous attrapent, on est mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit trouver l'entrepôt de Cyberlife. C'est là qu'ils gardent le sang bleu et toutes les pièces. Suivez-moi. Je vais trouver un autre chemin. L'entrepôt est juste devant. On y est presque. Les entrepôts de Cyberlife. Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Je m'en occupe. Ça va ? Ouais, ça va. Beau travail, Marcus.
Vite, ouvrez les autres caisses et remplissez vos sacs. Prenez tout ce que vous pouvez. Vous vous trouvez sur une propriété privée. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. John ! Saleté de machine ! Où est-ce qu'il est encore passé ? John ! J'ai besoin de ton aide. John ! Finissons-en et filons en vitesse. Essayez de trouver du sang bleu. On n'en a pas suffisamment. Être libre. Vous pourriez venir avec nous. On peut pas en prendre plus. Allons-y. Emmenez-moi avec vous. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On peut pas le laisser ici. On peut pas les emmener. C'est trop dangereux. Ils viennent avec nous. Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Qu'est-ce que tu veux dire? Les camions. Ils sont remplis de vieux composants. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Où est la clé? Là-bas, dans le poste de contrôle. Il y a deux gardes humains. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pourquoi on est venu. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. Attendez-moi ici. Si je ne suis pas là dans 10 minutes, partez sans moi. Marcus ! Je viens avec toi. Non, j'y vais tout seul. Ça ne sert à rien qu'on risque tous les deux notre vie. Thank you.
Saleté de Klebs. Après quoi ils aboient encore? C'est peut-être le temps. Ils aiment pas l'orage. Ouais, je voulais emmener mes gamins camper ce week-end. Mais là, c'est rappelé, bah, je crois. Toujours dans la zone 4. On dirait bien. Il devrait avoir fini pourtant. On est mieux ici que dehors à patrouiller. Tu l'as trouvé? Bien joué. Vite, montez. Thank you.
Un chargement. On a réussi à voler tout un chargement. On a assez de vieux composants pour tout le monde. On n'y serait jamais arrivé sans Marcus. Je suis venu à Jéricho parce que les androïdes sont libres ici. Libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Libres de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. Mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire. D'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais tout au fond de moi, je sais que... Je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant. Et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et nous sommes libres. D'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit? C'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant toutes. Oh putain. Les androïdes les plus sexy de la ville. Je comprends pourquoi t'as insisté pour qu'on vienne. Oh, misère. Connor! Qu'est-ce que tu fous? J'arrive, lieutenant. Salut Ben, comment ça va? C'est cette pièce-là. Gavin est là aussi. Ah, génial. Un cadavre et une tête de nœud, j'ai tiré le gros lot, moi. Le lieutenant Anderson et son petit toutou, qu'est-ce que vous foutez là? On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Ah ouais? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. C'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber.
n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglé. Ouais, j'ai vu les contusions sur son cou. Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cordes ? Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute. Peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Il a commencé à me frapper. Encore et encore. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il voulait pas. On aurait dit qu'il y prenait... L'as-tu tué ? Non. Non, c'était pas moi. Qui a tué cet homme si ce n'est pas toi ? Je ne sais pas, j'étais désactivée, Je n'ai rien vu. De quoi d'autre te souviens-tu ? Vite, nous avons peu de temps. Je sais pas. Étiez-vous seul dans la pièce ? Y avait-il quelqu'un d'autre ? Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit, on était deux. De quel modèle était l'autre androïde ? De ressemblait-elle ? Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ une heure et doit être à Perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club ? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Vous connaissiez la victime ? Non, enfin, il est venu deux ou trois fois, peut-être. Ces types ne sont pas vraiment du genre bavard, vous savez. Ils viennent, ils font leurs affaires et ensuite ils repartent. Vous avez déjà eu des problèmes avec les androïdes ? Non, jamais. Un fusil. Une fois, on a perdu une unité il y a deux ou trois mois de ça. Le même modèle. Elle a disparu. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. J'imagine que vous n'avez pas de vidéosurveillance. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir ? T'as trouvé un truc ? Peut-être bien. T'es vraiment un taré, Connor, on a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Bonjour, une session de 30 minutes coûte $29.99. Veuillez confirmer votre achat. Oh. Je sens que ça va faire tache mes notes de frais. Il n'y a pas de quoi. Ravi de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Ok, et maintenant ? Thank you.
elle a vu quelque chose. De quoi tu parles? Elle a vu quoi? La déviante quittait la pièce. Une Tressie à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Mais elle, qu'est-ce que je... Essayons celui-là. Ça a intérêt à... Tressie aux cheveux bleus. Je sais par où elle est passée. Alors dépêche-toi. Il y a des androïdes partout ici. Comment tu peux savoir lequel a vu la Tressie aux cheveux bleus, hein? Je sais dans quelle direction elle est. Rien du tout. La Tressie aux cheveux bleus n'est pas passée par là. Non. J'ai encore perdu sa trace. J'ai dépensé un paquet de thunes et on ne peut pas dire que je m'amuse. J'ai encore perdu sa trace. J'ai dépensé un paquet de thunes et on peut pas dire que je m'amuse. Thank you.
l'endroit, il n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Ça doit être l'enquête la plus onéreuse de toute ma carrière. Sa trace. J'ai dépensé un paquet de thunes et on peut pas dire que je m'amuse. L'android n'a rien vu. J'ai fait une erreur. Or, quelque part. Ça doit être l'enquête la plus onéreuse de toute ma carrière. Attends. Laisse-moi prendre la suite. Garde-les. On les utilise jusqu'à ce qu'ils gâtent. Puis on les jette. Cet homme
a cassé l'autre Tracy. J'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il voulait pas. Alors j'ai mis mes mains autour de son cou. Et j'ai serré. Jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Mon but n'était pas de le tuer. Je voulais juste rester en vie. Retrouver celle que j'aimais. Je voulais qu'elle me prenne dans ses bras encore une fois. Et qu'elle me fasse oublier les humains. L'odeur de leur sueur. Et leurs obscénités. Allez, viens. Restons pas là. C'est sans doute mieux comme ça.